Tous les soirs, Félix Lubrise vous présente sa chronique. Des livres pas comme les autres, une manière originale de découvrir la littérature. Entre coup de gueule et coup de foudre, Félix Lubrise au centre de la vie culturelle. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un roman de Marc Lévy qui s'intitule « Et si c'était vrai ?» Alors, pour que vous n'ayez plus envie de l'acheter, je vais vous lire la fin. Comme ça, on n'en parle plus. Arthur entra dans la chambre et s'assit tout près d'elle. Elle dormait. Il passa sa main dans ses cheveux et lui caressa doucement le front. « Le son de ta voix m'a tellement manqué, » lui dit-il. Elle ouvrit les yeux, prit sa main dans la sienne, le fixa d'un regard incertain et lui demanda « Mais qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là tous les jours ?» Fabuleux, n'est-ce pas? Voilà, bonne journée. Au revoir.